demandé des serviettes. Un café? Non. Café est prêt. Ah, déjà, merci à tous d'être là, surtout les Américains. Bravo! Yeah. Pas toujours content de voir les Américains. C'est vrai qu'on s'est fait quelques surfroides quand même cette année. À se dire, est-ce qu'on part en mer, est-ce qu'on part pas en mer, est-ce qu'ils vont pouvoir venir, les barcodes, est-ce qu'on n'a pas fait une énorme connerie à leur demander de venir, et qu'ils pourront pas prendre l'avion et qu'on va tous mourir. La météo de la situation générale de la semaine. Merci. Je prépare une feuille de la semaine de demain à dimanche qu'on mettra je sais pas où, on va la scotcher aussi comme ça tout le monde pourra avoir l'info. Les coefficients sont marqués là et c'est surtout pour savoir à quelle heure on peut sortir du port. Parce que dans le chenal, dans le tournant là ici, il y a un petit banc de sable et donc comme on a une quille qui est à 3,40 m sous l'eau, on ne peut pas naviguer partout. Donc il faut juste bien checker ça pour pouvoir sortir du port. Donc là il y a tous les horaires. Cuisine dans un bateau là. On met partout. Et tu manges à côté. C'est comme Mardi Gras. De toute façon, ça agit tellement qu'ils vont en avoir partout. Fait que autant on met partout dès le début. De cuisine normale, tu fais semblant, tu regardes ce que tu fais. Dans un bateau, tu dis. De toute façon, même si je regarde ce que je fais, je vais le rater. Donc tu peux regarder la caméra. Eh mais en vrai, tiens, regarde. Pour mélanger de manière mais pas dans l'autre sens. Hyper dans le même sens. Une casserole. Vous voulez pas en mettre sur peine de vie? C'est compliqué. Ça va. J'ai vu pire. Non, en fait non. Vite, c'est bien, bordel. On fait quoi? Une figure où on se met dans l'autre sens? Ah! Bah c'est alors après le truc c'est que là c'est modèle 2000 watts et que le gainage fait 3000. Du coup c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça a chauffé aussi. Derrière là, la petite porte manche, c'est mon endroit préféré, c'est horrible. C'est là où il y a le groupe qu'on entend en train de tourner là. C'est là où il y a le désalinisateur, c'est là où il y a les cuves d'eau. On a aussi encore deux énormes tanks qui sont au milieu du bateau. Thank you.
de faire vraiment attention où vous mettez sur le pont. On reste toujours au vent, de préférence. Là, on est de la partie la plus haute du pont. Jamais dans les chemins d'écoute. Là, on rentre dans des conditions où on peut se faire mal. Ça va bien se passer, hein, y a pas de souci. Mais voilà, faut faire attention. Okay. On va enlever les anodes, on se débranche du quai. All hands on deck. Belle île pour aller au Glénan, navigation de nuit, ça va être nickel, on va avoir une belle nuit, normalement il n'y a pas trop de vent, une dizaine de nœuds, le vent devrait tourner au nord puis au nord-est, ça va être sympa. Alors ça c'est typiquement la technique du gros flemmard qui est bien fatigué, qui n'a pas envie de se faire mal au bras. Et vous venez d'où, monsieur Guillaume? America! Yes! America! Wow! I was trying to be funny for the camera. Yeah. Tu m'éteindras le moteur aussi, Noémie, s'il te plaît. Ok! Mais faites tout, les gars! J'ai rien! Thank you.